Il n'est plus utile de souffrir pour être belle. Au contraire, il faut s'amuser. Oui, vraiment. Ah oui, ça me fait du bien au ventre, aux fesses. Les Guadeloupéennes des quatre coins de la région se sont déplacées dès le premier jour. Onglerie, coiffeur, maquilleur ont répondu présents à l'invitation. Les files d'attente étaient longues, très longues, et les participantes impatientes. C'est tout ce qu'il y a niveau maquillage, c'est super quoi, les savons, diverses choses, c'est agréable à regarder. Ça permet de changer de look, on va dire. La connaissance des visages, des peaux, des textures de cheveux, c'est un art, et cette année, voici quelques tendances. Du côté de l'onglerie. L'onglerie, c'est plus le vernis semi-permanent maintenant qui est à la mode. Donc au niveau de la durée, ça dure 14 jours quand même. Donc après, c'est mieux pour une femme qui est active d'avoir un vernis qui ne bouge plus au lieu que d'avoir quelque chose qui s'effrite rapidement. Des cheveux. Les gens, ils aiment bien aussi porter des perruques sans pour cela toucher à leurs cheveux. Donc ça permet à leurs cheveux de se reposer tranquillement. De la peau. Après, là où c'est vraiment nouveau, c'est qu'on se centralise, on se focalise vraiment plus sur les spécificités des peaux, justement métissées, multiethniques, et justement notamment Guadeloupe comme aux Antilles, on sait qu'il y a un gros brassage, un gros métissage, et malheureusement il y a des fois où ils n'ont pas la réponse à leurs questions, et là ça permet pour beaucoup d'avoir la réponse à leurs questions, et on espère que ce ne sera pas juste une tendance, mais que ça va se généraliser pour tout le temps. Et puis un petit cocktail pour le corps. C'est d'ailleurs la première place, la première beauté d'une femme, d'une famille, c'est prendre soin d'elle, de l'intérieur, c'est prendre soin de ses cellules, prendre soin vraiment de réoxygéner, donner les nutriments dont elle a vraiment besoin pour donner de l'énergie, de la beauté, vraiment pour vivre en son plein potentiel, il faut qu'elle se prenne soin d'elle. Enfin, entretenir la beauté, c'est un métier et il existe des formations. Un centre de formation où vous apprenez les diverses technicités concernant le maquillage, la pose angulaire, les effets spéciaux, le body painting, le face painting. Et si vous souhaitez connaître les secrets beauté des intervenants, rendez-vous septembre 2016 avec l'ouverture d'un CAP esthétique. Avec les ombres et braides de la mère extension.